Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul partenariat Panalysa Craft. Attendez, Panalysa Craft. Voilà, c'est mieux dit comme ça, en lisant, c'est plus simple. Alors du coup, j'ai reçu quelques produits, je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu. Dans un premier temps, ils mettent toujours une petite pochette comme ça, avec des échantillons de papier, de stickers et tout, et puis un petit mot bien sympa. Même s'il est en anglais, vous voyez un petit post-it bien rigolo. Et du coup, là, j'ai eu des trèfles en stickers. Donc, c'est des stickers que vous décollez à fur et à mesure. Comme ça vous permet de voir les produits qu'ils ont. Donc, c'est super sympa. Donc, ça, c'est des papiers qui vont rejoindre mes papiers pour le journaling. Du coup, vous avez celui-ci qui est super rigolo avec les oies et tout, des tickets. Les petites dames là, les petits enfants avec la petite chariote, c'est rigolo. Et ici vous avez un papier violet mais tout basique, mais j'aime bien. Il y a là ça fait tartan, j'aime bien. Un quadrillage un peu arc-en-ciel. Ici vous avez un papier vintage avec une petite fille, des papillons et tout ça. Là vous avez encore un quadrillage. Là c'est un lapin, c'est rigolo. En plus ça va être Pâques. Là, vous avez ce papier, il est juste trop beau, regardez, avec la dame, là. Il est trop, trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan. Vous avez celui-ci, donc il n'y a rien derrière, donc vous pouvez vraiment utiliser le papier, quoi. Là, c'est des formes géométriques diverses et variées, de toutes les couleurs. Ici, vous avez encore un papier style vintage avec dans les teintes bleues, avec des fleurs et tout. Et ici, vous avez ceci en vintage avec un papillon et tout. J'adore. Franchement, je suis fan. Donc voilà. On va le ranger tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Désolée. Ma tout va mieux. Mais c'est pas encore ça. Alors, dans un premier temps, j'ai pris des tampons. Alors, je vais vous rechercher. C'est des grands. Des voire des très très grands. Et des tampons. Des planches normal. Alors, première planche que j'ai pris, du coup je vais vous laisser. En vérité, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais mon téléphone, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je n'arrivais pas à transférer la vidéo de mon téléphone sur mon ordinateur. Du coup, c'est pour ça que je la refais une deuxième fois. Du coup, j'ai pris ce tampon-ci. Alors ouais, la façon les pochettes sont abîmées, je les ai abîmées la première fois que je les ai ouvertes. Ce sont des étiquettes. Là, vous avez bon de commande, petite arrière de carte. Ici, un petit comme si un bon de commande déchiré. Ici, des écritures. Là, en grand bon de commande, mais en tout petit. Et ici, pareil, First National Bain. Je sais pas ce que c'est. On dirait un chèque. C'est rigolo. Du coup, ouais, ils sont super jolis. Alors, ce tampon, du coup, c'est des tampons individuels. Voyez? Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 tampons dessus. Et la planche, elle fait 16 par 11. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour le journaling et puis pour faire des fonds aussi, ça va être super sympa. Donc ça c'est le premier tampon. Le deuxième tampon que j'ai pris c'est celui-ci. Il n'est plus en pochette plastique puisque je vous dis je l'ai même testé. Vous voyez, pourtant je l'ai nettoyé mais il est encore un peu sale. Oh, je vais bien remettre ça dessus. Et du coup il est ovale. Et du coup le tamponnage donne ceci. Il est vraiment très joli. Vous voyez, belle taille. Du coup l'ovale il fait 15 par 10,5. Mais c'est bizarre parce que j'irai passer un petit coup. Mais je pense que je peux encore le refaire parce que la Versafine, elle a attaché mon tampon. Bon, après, je ne l'ai peut-être pas nettoyé assez. Mais la Versafine, j'ai l'impression qu'elle a attaché mon tampon. C'est bizarre parce qu'elle ne tâche jamais d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça n'enlèvera rien à son utilité du tampon, du coup. Donc voilà.
Donc ça, c'est le deuxième. Je le trouve trop joli. Bon, là, normalement, c'est blanc. Mais du coup, il y a un peu de versafine dedans. Et parce que je vous dis, je l'avais testé avec vous en vidéo. Et du coup, ben, il y a des petites traces. Mais le rendu est très beau. Regardez. Voilà. Franchement, le rendu est super sympa. Donc, je vais essayer de trouver un dies pour couper. Je dois avoir ça dans mes dies là-bas. Donc, j'espère que j'aurai cette taille. Je ne suis pas sûre. Je regarderai. Sinon, il faudra que je trouve un dies de cette taille. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ce sont des feuillages. Alors, ce sont des fougères. Voilà. J'avais testé celui-ci en vidéo. Je ne sais pas si je l'ai encore. Non, je ne l'ai plus. J'ai dû le dégager. Donc, ça, ce sont des fougères. Là, vous avez une feuille de bananier, je crois. Et puis là, de palmier. Franchement, elles sont trop jolies. Et j'aime bien la grande ici pour faire des fonds. Ça va être juste extraordinaire. On fera des cartes de toute manière ensemble. Et du journaling. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Avec la libellule que j'adore. Ça me gêne ça. C'est dans les pattes. Voilà. J'adore avec la libellule, le cachet ici, la plume. Franchement, il est trop beau. J'adore, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve très, très beau. Et du coup, je l'avais testé avec vous, mais ben, du coup, je ne vais pas le refaire. Hein. Mais voilà, il donne ceci en tamponnage. Franchement, il est très beau. Alors, je l'ai fait sur le truc à papier pourri de chez Action, là. L'aquarellable. Je ne suis pas convaincue parce que du coup, ça boit mon encre. Et du coup, mon tamponnage, il est fade. Je le trouve fade. Alors, c'est pas la Versafine, parce que la Versafine, normalement, elle est beaucoup plus noire que ça. Et là, ça me le rend gris. Donc, vous voyez, ce papier, il est vraiment acheté à la poubelle. Ou alors, il faut faire des fonds avec, des fonds colorés. Je pense que ça peut être pas mal. Enfin, tester, à voir. Ensuite, j'ai pris une matrice de coupe. C'est celle-ci. Bon, il y a encore les petits papiers blancs dedans parce que je ne l'ai pas encore nettoyé à fond. Mais la découpe donne ceci. Franchement, il est très très beau. Il est très fin. Et du coup, il est vraiment, c'est vraiment très joli. Après, je n'ai pas évidé tout. Donc voilà, je n'ai pas pris le temps de l'évider. Mais franchement, ça s'enlève tranquille. Hein. Il n'y a pas, ça arrache pas votre découpe, rien de tout ça. Avec une petite brossette, je pense que ça peut aller encore mieux. Je vais voir si je peux trouver une vieille brosse à dents. Parce que j'ai pas envie d'acheter une brossette extrait. À voir, à voir, à voir. Mais vous voyez, ça part tout seul. Donc, il n'y a pas de souci. La découpe est très, très fine. J'adore. Je trouve ça très joli. Sur une carte, ça va rendre trop bien. Voilà. Donc, du coup, la découpe, je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, les liens et tout ça pour retrouver mes produits. Ensuite, j'ai pris encore en tampon, mais alors soit-ci, voilà la taille des tampons. En fait, c'est une grande planche, mais vous avez 4 tampons différents dessus. Je vais vous le sortir. J'ai pas fait de test de tamponnage, là, pour le coup, par contre. Alors, vous avez... Ce sera mieux dans ce sens-là. Plein d'écritures avec une rose ici, pareil ici. Et là, vous avez la même chose, mais avec les papillons. Et franchement, je le trouve juste trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis fan. Là, c'est vraiment tout le style que j'aime. En plus, ce qui est cool, c'est qu'ils m'ont donné un bon et j'ai eu le droit de choisir ce que je voulais. Donc ça, c'était la cerise sur le gâteau, en fait. C'était vraiment génial. J'ai pris, alors celui-là c'est mon chouchou, celui-ci, alors ça va pas plaire à tout le monde, je sais, parce que ben, c'est quand même assez particulier, il y a une tête de mort dessus, mais en fait quand on voit la beauté du tampon, ici vous avez des partitions, là vous avez des écritures, un peu dans le même style de ce que j'utilise là, ben, du coup je crois que j'ai utilisé celui-ci parce qu'il est bien aussi, et la tête de mort ici qui est plein de fleurs et tout, et franchement j'adore.
Alors c'est sûr, ça va pas être du goût de tout le monde, mais moi perso, je suis fan. Voilà. Ensuite, donc j'ai pas fait le test non plus en tamponnage. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est un peu le même principe que les roses. C'est celui-ci avec des espèces de feuilles doux. Là, de où? Et ici, vous avez les pommes de pin. Donc, carte postale, carte postale, carte postale et carte postale. Donc, vous avez toutes les tailles, du plus petit au plus grand. La planche, elle fait... Ah, si je vous ai pas dit pour le natel de marche, je vais vous dire ça. 22 la planche par 17,5. Mais les tampons, en fait, ils sont beaucoup plus petits. Hein. 13 pour celui-ci. 12 celui-ci. 8 et 8. Et de large, les grands font 7. Ouais, 7. Et les petits de large, ils font 5 à peu près. Grosso modo, hein. Je vais vous dire pour la tête de mort, pour ceux qui voudraient les infos pour la tête de mort, parce que je ne vous ai pas donné les tailles. La tête de mort, du coup, pareil, la planche, elle fait 18 par 22, pareil. Ouais. Et la tête de mort en elle-même, elle fait 12 par 15,5. La partition, elle fait 12,5 par 3. Et l'écriture 3 par 12,5. Donc c'est des beaux tampons. Hein. Ils sont super jolis. Ensuite. Ensuite. J'ai pris cette planche-ci avec les papillons. Et en plus, vous avez les dies assortis. Donc... Voilà les papillons. Donc le plus grand papillon, il fait 12 par 5,5. Celui-ci, il fait 10,5 par 6. Et le petit là, il fait 4 par à peu près 4,5. Et après, vous avez le gros la grosse fleur de pissenlit avec des petits papillons sur le bord et des cercles. Et moi, j'adore ça. Et du coup, la planche, elle fait 15 par 20,5. Et vous avez les dice du coup pour le grand, le moyen et le plus de cacahuètes petit. Donc là, je suis plutôt fan parce que le tampon plus les dice, c'est juste génial. Ça, c'est topissime, topissime. Ensuite, un dernier tampon que j'ai pris, c'est celui-ci. Et du coup, c'est des tickets de cinéma. Vous avez tickets de cinéma de l'ancien temps et tout ça. Et short film, premier cinéma, nana, one min one. Là, c'est un truc marqué Italie. Voilà, Milan. Mais celui-là, il est vraiment très très beau. Celui-là, c'est marqué quoi? Passenger should not price remaining ticket. Notre transférable, je sais pas, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je suis vraiment très très fan. Alors la planche, elle fait 21 par 15,5. Alors le premier tampon, il fait 9 par 4, celui-ci il fait 12,5 par 4,5, je commence à avoir mal, je me concentre, 4,5 par 5, 4,5 par 5, celui-ci il fait 6,5 par 3, celui-ci il fait 7 par 4, celui-ci il fait 7 par 2, et le diamètre du cercle 4. Franchement, c'est des jolis tampons. Et ils sont tous en individuel. Comme je voulais, comme pour tout à l'heure, les autres. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toute la planche.
Voilà. Ensuite, pour finir, j'ai pris des stickers pour le journaling. Un peu Tim Holtz. Du coup, j'ai pris les Monsieur, qui étaient très élégants à l'époque. Alors, vous avez 30 stickers et donc 2 de chaque, donc 15 différents. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-ci. Qui est très très beau. Il est très élégant. Vous avez ce monsieur. Vous avez ce monsieur. Vous avez ce monsieur. Ça fait très Fred Astaire. Très la classe quoi. La classe internationale, c'est sûr. Franchement, ils étaient hyper élégants à l'époque, hein, avec le chapeau melon et tout, la classe. Là, ça fait cocher un peu, parce que là, c'est un pantalon pour faire du cheval. Vous avez celui-ci, l'homme d'affaires, là. Vous avez celui-ci. Vous avez celui-là. J'espère que vous voyez bien, sinon, c'est un peu embêtant. Celui-ci, je vais vous les remontrer peut-être, parce que celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci, je vous le montre de plus près. Celui-là, 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 ce monsieur, parce que je vais faire comme ça pour les petites dames, ce sera mieux. Celui-là. J'en voulais depuis un moment et j'avais complètement zappé d'en commander pour mon journaling. Et du coup, là, je suis super contente d'en avoir reçu trois paquets différents. Et celui-ci. Voilà. Ensuite. J'ai pris un lot avec des petites filles. Il s'ouvre comment celui-là? Parce que je suis en train d'arracher le... Voilà. Le stick. Ça m'embête. Voilà. Donc vous avez cette petite fille-là. Je crois que... Bon, ils sont plus... Pourtant, je les avais remis par deux, mais... Vous avez celle-ci, 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 ah, elles sont trop belles, bon, celle-là vous l'avez déjà vue, hop. Et ça, ce sont des stickers. Donc, vous avez juste enlevé la pellicule qu'il y a derrière. Et c'est tranquille. Oh! Celle-là, vous l'avez vu. Je tiens rien dans mes mains parce que je commence à avoir mal. Et quand je commence à avoir mal, je commence à trembler. Enfin, plus que d'habitude. Elle est trop belle celle-là de poupette. Et voilà. Ça, ce sont les petites filles. Et après, j'ai pris les dames. Comme ça, j'ai tout. J'ai les poupettes, les madames et les messieurs. Les dames, elles sont super élégantes aussi. Regardez ça. Pareil, hein, vous avez 15 fois 2. Voilà, c'est ça. 15 sujets différents fois 2. Parce que vous en avez deux à chaque fois. Là, vous avez juste les bustes comme chez les hommes.
La buste là. Mais franchement, elles sont super élégantes. Regardez ça. Ça fait très rose dans Titanic. Ou Bridgerton, pour celles qui regardent. J'arrive pas à le dire, vous vous moquez pas. Ou Downton Abbey aussi. Je suis fan de ce genre de série, moi. J'adore. Donc. Très belle, très très belle. Et voilà. Donc ça, ce sont tous les produits que j'ai eu chez Panalisa Craft. Et du coup, normalement, on fera certainement une page de journaling. Parce que bah là, j'ai bien envie de faire une page de journaling, du coup. Une carte et puis d'autres choses. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Une prochaine vidéo pour mes ventes Vinted arrive. Je vous la fais certainement juste derrière. Mais les produits, je les mettrai certainement demain ou après-demain à voir. Et puis voilà. Alors, concernant Panalisa, je vous mets tous les liens en barre d'infos avec tout ce que vous pourrez retrouver facilement. J'essaierai de vous les mettre dans l'ordre de la vidéo. À voir. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.